Oui, voilà, on dit risque-tout. Risque-tout qui vient plus loin, alors qu'un petit de mec s'écarte. Que se passe-t-il? Apparemment, Eric Raffin a décidé de sortir de la course, son cheval ayant apparemment lui ayant posé quelques problèmes. Dernier tour de piste avec Rapide Lebel, eh bien, qui va peut-être être arrêté d'ailleurs dans quelques chevaux également, qui ont beaucoup de mal à revenir. Carlos pourtant néanmoins de refaire un peu de terrain avec le bout de en face. Bientôt le 8 Texas de Lyon, le numéro 11 Rapide Diligent qui va faciliter. Dans la phase finale, le numéro 3, une paire de manches, va s'imposer. Carlos Courbien confirme sa victoire du prix de Buenos Aires en prenant la deuxième place. Elle vient par là ? Milieu, milieu. Vous voulez voir que je le batte. Il s'améliore à chaque course. C'est quoi la recette miracle? On l'a laissé venir jusque-là? Il a peut-être eu la chance de partir beaucoup au galop dans sa vie attelée et c'est ce qui fait sa force. Il est encore tout neuf, je pense. Seb, est-ce que c'est la fin pour Rapide Lebel? On arrête, ouais. Moi j'arrête de courir. Donc après, Alex aussi, André veut l'arrêter aussi. On n'a pas la réponse d'Alex, mais on sent qu'on arrête, ouais. La 16, la 17 contre la 30, la 15 contre la 21, la 13 contre la 31, la 5 contre la 9, la 22 contre la 26, la 28. Vous n'êtes pas Antoine le chanteur ? Donc, je suis Marco. Si, c'est lui, c'est lui. Il veut pas se faire prendre en photo, vas-y. On peut quand même... Tu veux que je fasse... Mais c'est des conneries, hein. On peut se serrer la main et puis faire... Quand j'enlève ma clope... Ça y est. Antoine le chanteur, tu sais. Les équilibrations d'Antoine. Maintenant, je suis sérieux. Oh yeah. Merci, vous êtes gentil. Parce que... T'as un vrai casse-couille, je te promets. Oh là 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 là, attends. Non et puis là j'étais pas à fond quoi. Ah, c'est gagné une partie Stéphane ? Bah ouais, ça continue, on continue le tournoi dans le A et c'est pas grâce à moi, je t'annonce la couleur. J'ai deux coéquipiers qui font le reste donc je suis honnête hein. Mais je vais me rattraper pour les parties suivantes. Il y a 4 centimes. Oh non, 62, 64, ça fait 2. Non, il y a 4. Il fait 4,5 au milieu là. 59,5. Là il y avait 61. Il y a 4 centimes. Là j'ai vu 62 moi. Bref. Vas-y. Tes problèmes de vue ça va mieux sinon à Fabrice? Mais je crois que ça s'arrange pas. Ah putain. T'as pas l'impression d'être déclassé un peu déjà? Regarde lui non. Il nous fait du cinéma depuis tout à l'heure, j'ai dit le cinéma c'est Hollywood. Oh, c'est le cochonnet, il est orange. Faut pas dire mieux quand même. Il a fait que des trousses quoi. Il dit oh putain je suis trop court, oh putain je suis trop long, oh putain elle est à gauche, à la droite. J'ai dit, à un moment donné c'est peut-être un peu de ta faute non quand même. Ouais. Il y en a qui meurent de faim, il y en a qui meurent de froid. Et nous, on n'est pas tout mal quand même. Hein? Ah, mieux, ça serait insupportable comme des lotins. Mieux, ça serait moins bien. Ça serait moins bien, ouais. Voilà. T'es vu les verres, non? Ah non. Ils sont pas très bons, les galopeurs, quand même. Bon. Les galopeurs, ils sont pas très forts, vous? 4 euros. Ils sont forts à quoi, eux? Hein? Non, je rigole. Là, tu me donnes des trucs. Ah, ils sont sympas. Ils sont nuls, mais ils sont sympas. C'est du n'importe quoi. Sans vouloir vous commander, c'est à qui à droite là-bas? Tout
Alors, ça c'est à eux, et ça c'est à nous. Ça c'est à eux. Les deux, ils tiennent en 1 et 2. Ils tiennent en 1 et 2. C'est celle d'Anthony. Ils ont joué avec deux boules. Triplette, tu es le maillon faible, tu confirmes? Oui, complètement. Je confirme. J'essaie de m'appliquer, mais bon, ils sont franchement meilleurs que moi. Mais bon, on s'amuse bien, il y a une bonne ambiance, c'est le principal. Voilà, je suis battu par Rafou. Voilà. Viens, viens, Rafou. Voilà, je suis battu par un ami qui me torche tous les ans, Raphaël Marchelli. Mais tu viens de me dire que tu l'as laissé gagner? Non, c'est pas vrai. Comme chaque année, il m'a laissé comme gagner. Tous les ans, voilà. Comme tous les ans, parce je le laisse il gagner. Il sait que sinon, je serais pas généreux avec lui. Voilà, voilà, et donc je le laisse gagner. C'est qu'une question de pognon, en fait. Non, d'amitié. Ouais. Ah, il oublie quand il m'a embrassé le cul que j'ai mis 13-0 il y a une année, mais il ne l'a pas mis cette année. Mais c'était une question d'amitié. Ouais. Comme quoi, vous voyez, tout est bon dans le cochon. Hein. Merci. Il n'y en a qu'un qui a applaudi. Merci à tous. Toi, t'as de pression, Jojo. Ah, là, je suis tendu. Et puis tu représentes le trot en plus. Bah, exactement. Si je pouvais mettre une tôle au petit galopeur. Hein. Ouais, bonne partie. Ouais. Bonne partie. Bonne partie. Bonne partie. Bon, Jojo, alors, petite déception finale. Oh, grosse déception, que veux-tu ? À cause de quoi ? Et tu m'as pas assez supporté. Et pourtant, j'étais à fond derrière toi. Tu ne l'as pas senti ? Non, je ne l'ai pas senti. 70 personnes. 196. Et en plus, il est bondi. Et puis. Non, il s'attrape. Hein. Non, il va s'arrêter parce qu'il est pondu. Hein. Il y a un gant qui est là-bas. Allez, saute. Bon. T'as raison, prends leur photo, c'est une princesse. Ah ouais, ouais. Bah, t'as vu, elle a des allures de danseuse. Hein. Ah, ma belle. Au départ, et sur. Garde, attention. Oh, ta petite cul, il est beau, hein? Ah, ouais, ton cul, directement. Encore? Non. Comment ça se fait qu'on te voit ici? C'est ton comeback aujourd'hui en Belgique? Bah oui, c'est mon comeback. Ça fait 2 ans que je suis pas revenue et j'aime revenir en Belgique. J'ai du sang belge et j'adore revenir. Eh bah écoute, plein de bonnes choses. Tout bon retour. Eh, hey, t'as remarqué? Les Français devant, les étrangers derrière. Sans pression, Nana? Si, j'ai énormément de pression. Cheval, il va démarrer. C'est mon premier groupe, je suis très tendu. Et qu'est-ce que tu es, toi? Est-ce que tu es simplement porte-drapeau, Anthony, ou tu es là pour leur faire mal aussi? On va surtout essayer de leur faire mal. Déjà. Derrière. Tu es avec les Italiens, toi. J'ai peur devant. Tiens, le plat! En plein! Arrêtez-vous, madame! Oh, vedi. Yep, dire molto flaco però. Sì. Sì. Dai, hop. Ho fatto un motivo blu. Ora hai tutto di hit. Via. Faire l'arrivée. Voilà, d'un bleu, là, il est en contexte.
Oh putain les gars, super, bravo. Raconte-moi un peu comment t'as vécu la course des tribunes. Justement aux tribunes, il y a eu match et ça, tu devais te régaler à ce moment-là. Ben, exactement, je me suis dit là on a gagné. Bravo Anthony. La bombe moustique. Merci Anthony. Bravo. Quel river. Merci. Ouais. Allez, t'as droit à la bise aujourd'hui. Allez, t'en profites pas, tu vois. Super. Anthony, champion. Bravo. Bravo. À la tête, à la tête, à la tête. Et j'ai regardé une fois. Ils ont travaillé pour toi, donc. GMB, il est meilleur que GMB, presque. Essayez de sourire un peu, messieurs, s'il vous plaît. Allez, champion. C'est pas un enterrement, on essaie de sourire. Anthony, premier groupe 1, c'est magnifique. Bah ouais, puis avec lui en plus, donc bah c'est super, on l'attendait depuis un bout de temps et c'est bon, c'est la récompense de ce que je disais, de tout le travail de tout le monde, de toute l'écurie, Olivier qui sont équipe super et voilà, c'est beau. Et toutes ces expériences à l'étranger pour toi, ça te forme? Bah ouais, ça fait du bien, on voit beaucoup d'autres choses, d'autres façons de driver aussi, c'est des courses très tactiques. Voilà, on se couche un peu moins bête le soir, ça nous sert pour le lendemain. Raconte-nous un petit peu un tour du but quand tu vois le match entre Timoko et Ulan Duval, est-ce que tu commences à te frotter les mains? Ouais, c'est vrai qu'à ce moment-là j'ai dit bon, on a une bonne chose parce qu'ils ont vraiment fait très fort. Voilà, en plus Timoko n'a pas eu toutes ses ailes, ça en faisait un de moins, c'est le jeu. Et c'est vrai que le choix à Cédric est arrivé dans le virage un petit peu fatigué, donc j'ai pas hésité à lancer le mien ici, sachant qu'il est très bon à gauche. Voilà, bravo. Le jambe de mon cheval, il a dans le patte, il a eu peur, bah, bien sûr. Il a perdu le trot, il a fait galop, bah, pour ça, bien sûr, c'est pas bien. Il y a eu contact? Oui, bien sûr, il a contact avec le jambe devant. Est-ce que tu peux nous rassurer sur le cheval? Est-ce qu'il y a des atteintes visibles ou pour le moment il est trop tôt pour en parler? Pour le moment, après la course, c'est pas visible, mais c'est pas sûr, on peut pas voir immédiatement après la course parce que qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de le cheval, on ne sait pas, mais normalement, j'espère que tout est bien. Et après, on va préparer le meeting d'hiver, voilà. Merci Christophe. L'entraîneur, il est content? Oh, ça va. Correct, deuxième. Est-ce qu'il t'a bien drivé? Pas trop mal, non, pas trop mal.